Jésus a béni pour ce qui est trop là. Je parle au bout de main. Je parle au bout de main. Je regrette ça pour. Ah, je regrette ça pour. Je ne suis pas préparé. Ok, message là, on commence à vivre le message. Jésus a béni pour ce qui est trop là. Et parle au bout de main. Et si on ne parle pas au bout de main. Hein? Et si on ne parle pas au bout de main, ça ne va pas passer. Ou pas parler, ou arrêter. C'est depuis qu'on y a pour préparer au bout de main. Quand on a toujours utilisé l'expression, ça veut dire c'est pas lorsque vous qui dormez dans les yeux pour arranger carrément. Ah, mais c'est ça que ça signifie. Comment c'est avant de dormir pour arranger carrément. Au fil du mois, ça va rapidement. Dans Apocalypse, chapitre 5, le verset 14. Apocalypse, chapitre 5, le verset 14. Alléluia. Nous félicitons le groupe Sacré à Soya pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les quatre êtres vivants répondaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse, chapitre 5, le verset 14. Ou Révélation, chapitre 5, le verset 14. Les quatre êtres vivants répondaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Alors, à ce moment-là, nous allons parler de deux mots. L'adoration et se prosterner. Que signifie adorer et se prosterner? Qui ça, le mot ça, signifie? Alors, avant d'aller plus loin, il y a plein de monde qui pensait que c'est seulement sous la terre. Ils doivent adorer mon Dieu. C'est seulement sur la terre. Yo, vous prosternez devant mon Dieu. Ma fille, c'est pas seulement sur la terre. Ou bien pour adorer, ou bien prosterner devant mon Dieu. Mais lorsque nous vivons dans le ciel, en tant que chrétiens, c'est notre style de vie que nous prenons mener. Amen. Nous prenons adorer mon Dieu. Et puis nous prenons prosterner devant mon Dieu. Jean, maintenant, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternaient et adoraient Dieu. Moi, je lirais les quatre êtres vivants et les 24 vieillards. Ils ont prosterné pour être capable d'adorer le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. L'ancien jour, le architecte de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ. J'envoie dans la vision pour que quatre vieillards saillants, avec les 24 vivants saillants, avec les 24 vieillards, ils ont adoré mon Dieu. Alors, Pasteur Johnson, que signifie se prosterner si on a notre bras touché à cela? Qui savent ça signifie se prosterner? Il y a pile monde, chaque fois dans votre église, lorsqu'on dit au prosterné, il n'y a pas compris que ça signifie. Ou bien lorsqu'on dit au adoré, il n'y a pas compris que ça signifie. Mais à soir, nous allons aider un peu pour capable d'avoir plus de connaissance de ça. Il dit se prosterner, c'est s'incliner visage vers le bas devant quelqu'un, en signe de profond respect. Mais nous savons encore, se prosterner, c'est s'incliner le visage, visage vers le bas devant quelqu'un en signe de profond respect. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, si tellement ils ont eu respect pour Dieu, ils n'ont pas qu'à garder mon Dieu dans les yeux lorsque ils ont approché l'homme à l'eau de Dieu, mais pas mon Dieu noir. Ils ont obligé pour la position ça, ils ont prosterné parce qu'ils ont dit respect pour Dieu. Et même moi, ça signifie de dévotion, d'adoration, d'humilité, de soumission ou d'obéissance. Parce que se prosterner, c'est en dévotion, d'adoration, d'humilité, de soumission ou d'obéissance.
Si que ou pas de obéissance, ou pas un enfant obéissant, ou pas capable de prosterner pour adorer mon Dieu. Si que ou pas de humilité, ou pas capable de prosterner devant mon Dieu. Ou pas capable de descendre devant mon Dieu. Si que ou pas de sacrer la soumission. On nous dit la soumission. La soumission. Si que vous parlez de la soumission, vous n'êtes pas capable de sans doute pour prosterner devant mon Dieu. On nous commence depuis notre foyer. Notre foyer des fois. Madame n'a pas de soumission pour Marie. N'est pas de la soumission pour Marie. Marie représente un chef. On parle de notre terme pour comprendre. Lorsqu'on prend mariage, là, et spécialement mariage chrétien. Nous gagnons un monsieur qui symbolise ou représente Jésus-Christ. Nous gagnons une femme qui symbolise l'Église. Depuis la foyer, si que vous ne pas soumettre devant Marie, ou pas capable de soumettre devant mon Dieu. Ma petite sabou encore, si ou pas de soumission pour Marie, ou pas de soumission pour mon Dieu. Parce que lorsqu'on fait l'église, si ou pas de soumission pour Marie, c'est pas pour mon Dieu qui a soumission. Parce que Marie, ouais. Mais mon Dieu, ou pas qu'à ouais. Mais ouais, Dieu n'a pas rien à travers le monde. Si ou pas de soumission pour maman ou pour papa, c'est pas pour mon Dieu qui est soumission. Ça veut dire soumission, hein? L'île doit commencer qui côté à la maison. Soumission doit commencer dans la maison. Si que soumission va commencer dans la maison, c'est pas dans l'église qu'on va soumettre. Et ma petite, ça, mon qui ne va pas prosterner devant mon Dieu. Mon qui ne va pas capable d'adorer mon Dieu. Faut oublier. La soumission, se prosterner devant quelqu'un, c'est reconnaître sa supériorité. Lorsque vous prosternez devant le monde, ça veut dire ou reconnaître les supérieurs à vous, à vous-même. Lorsque nous avons son aveu, approcher devant Dieu, on va vers la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la nouvelle Jérusalem, on va nous prosterner devant. Ça contre que nous reconnaître la supériorité de Jésus, de Jésus-Christ, la seigneurie de Jésus-Christ, la souveraineté de Dieu, lorsque nous soumettons, lorsque nous prosterner devant. Et puis il dit, se prosterner signifie aussi, voilà, c'est reconnaître son autorité. Même Jean-Christ est dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà, c'est reconnaître dans son autorité, éprouver un amour intense et lui offrir avec une très grande humilité un signe d'hommage et d'adoration. On va reconnaître que mon Dieu supérieur à eux-mêmes. Lorsqu'on prosterne devant mon Dieu, ça prouve que où est le bon Dieu? Si on ne parle de mon Dieu, il n'est pas capable de prosterner devant mon Dieu. Comment que vous prosternez? Je vous l'ai expliqué, sans jour, vous prosternez devant mon Dieu. Vous mettez deux genoux à terre et puis vous rivez jusqu'à terre. C'est pour ça que vous prosternez devant mon Dieu. Le plus souvent, lorsque nous allons à l'église, nous vivons seulement, ouais, nous chanter, nous louer, mais des deux bagailles, ouais, des fois nous oublier comment pour nous faire, nous oublier comment pour nous prosterner devant mon Dieu. Et puis nous tout y faire sans que nous ne nous rendions compte. Nous arrivons au degré d'adoration, puissance pour Dieu si tellement fort, et puis nous arrivons au degré, et puis nous prosterner sans que nous nous rendions compte. Nous mettons la terre. Et puis le désespoir la terre. Et puis nous a passé des moments sans
qu'il n'a pas même connu si c'est prosterné. On va dire si c'est faible, ça va conjuguer devant le trône de la grâce. On va la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secours de nos besoins. Lorsque nous approchons devant le trône de la grâce de Dieu, le plus souvent, première bagaille que nous devons faire, que nous devons faire, c'est prosterner. C'est prosterner nous. Parce que il est le roi des, il est le roi des rois. Dans l'Ancien Temps ou dans l'Ancien Testament, lorsque le monde qui rendez-vous pour rencontrer avec le roi, lorsque le rencontre roi, il n'y a pas qu'à arrêter campé. Lorsque le rencontre roi, il n'y a pas qu'à arrêter chita, il est obligé de prosterner, il prosterner devant roi. Et puis, roi longéné, et puis, l'ilongéné, et puis roi le feu. Ou bien roi combat pour l'année. Et puis roi, tout cela avec la toi, les connaît pour le lever. Alors c'est de la même façon, le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Premier bagage qu'on t'a soukalé, on t'a refaire. Nous, en ce moment, nous, en ce moment, on t'a refaire, on t'a supposé faire. Lorsque nous venons là, c'est pas mal, pile avec nous, c'est d'aller se prosterner. C'est prosterner que nous t'a supposé. Prosterner devant Jésus-Christ, premièrement, en signe de respect, en signe d'amour, en signe, au bonheur, qui nous fait que nous reconnaître supériorité, seigneurie, nous reconnaître la souveraineté. On parle le plus souvent, lorsqu'on vient de l'église, depuis la caille moudée, depuis la caille ou en colère, depuis la caille ou en l'air, c'est normal lorsqu'on vient là. Même ben nous pas carrément. Avec l'église. Parce que nous tous, nous souvent pensons, c'est mon capelli nous. C'est pas mon capelli nous. En patronage. Lorsqu'il y a l'église, ou bien des pas contrôlés, c'est pas nous qui nous en face au capelli nous. C'est pas nous qui met le monde, mais c'est pour Dieu qui met le monde. Comment on dit appelé nous? La béni nous, c'est lorsque vous respectez. Parce que la vie dedans, lorsqu'on te critique, ou t'en de la prône, ou t'en de la parole de Dieu, ou t'en de la danser, c'est pas de où ça sortit. Mais il sortit de Dieu qui doit te montrer habiter l'église. Est-ce que c'est là que tu habites? Est-ce que dans ça, c'est lui-même la vie d'en parler? On dit, parce que t'as fait mes dormants? Non! Tant qu'il n'a pas fait avec mes dormants, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est vraiment ça la fête. Entrez dans le geste et habitez. L'autre des mots que tu as chanté. Au moins, c'est cet esprit, mon Dieu, qui est dedans, qui est dedans, qui permet de nous commencer à édifier, qui permet de nous bénir, qui permet de nous sortir pour nous, à fraîcher les boulons, qui permet de nous à transformer. C'est l'esprit de Dieu. Ça veut dire que Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. Maintenant, si je vis, je n'ai plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit maintenant qui peut être béni. Les ma prêcher là, depuis cœur ouvert, présence pour Dieu qui dans même, c'est même qui peut être béni. C'est même qui peut être pour comprendre ça va dire. C'est même qui peut être pour comprendre. C'est même qui a ouvert en tant que moi spirituel. C'est même qui a ouvert vie spirituelle. Et puis ça, on prend un monde sacré de Dieu. Et puis prend une connexion, prend une transformation, ou à bénir. Là, il dit l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais venez, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ce postérieur aussi, c'est une attitude. Attitude que nous adoptons en général quand nous prions avec. Sincérité. Voilà, c'est une attitude que nous adoptons en général lorsque nous prions avec sincérité. Lorsqu'on prie avec sincérité, on prosterne devant mon Dieu. On demande à mon Dieu de ça, faveur. On demande à mon Dieu grâce. Soit on demande à mon Dieu faveur, on demande à mon Dieu grâce. Est-ce qu'on va être campé? Non, on prosterne. Ou bien vous couchez devant trop de temps. Oui. Vous couchez devant votre nom, et puis voilà, vous prospérez devant,
et puis pour apprendre pour faire grâce. On nous dit merci Seigneur. L'adoration, qui ça l'adoration en yé? Tu l'as adressé à adorer. Qui signifie s'adresser? Est-ce un hommage religieux, un culte que l'on rend? Et qui s'apprend et qui s'apparente au nom de soi? On va adorer. Ce n'est pas un bagaille qui soit digne de quoi dire de l'autre là en même temps. Adoration, c'est dans le même que les autres. Adoration, c'est dans le même que le commencé. En notre tête, lorsque je suis sorti de la caille, je suis sorti avec adoration. Je suis sorti pour adorer. Amen. Je suis dans le temple. Je suis continuer à adorer. Je suis continuer à adorer. Adorer. Parce que adoration, ce n'est pas un bagage pour faire un cadeau. Pas tout ça, Soya. Adoration, ce n'est pas un bagage que vous faites un cadeau. Mais si on regarde l'atmosphère, ça, l'idée de cet esprit que Dieu qui est dedans, avec lui. Dis ça pour encore. Adoration, ce n'est pas un bagage pour faire un cadeau. Et plateforme, ça. Atmosphère, ça. Ce n'est pas le monde qui crée le coup. C'est un même donné. Lorsqu'on peut dire qu'à tel niveau côté, ou pas qu'à prêcher le marché. C'est un même donné. Lorsqu'on nous livre le bien, on va dire que ma maman, il y a un côté, il y a un côté stérile, et même sous pour il y a un côté, on n'est pas passé par tout ça. Plateforme, ça, c'est pas nous qui créons le bout. C'est on crée une plateforme pour adorer mon Dieu, pour adorer en esprit ça, en esprit et en. Parce que Christ dit, l'heure est arrivée pour que tous les vrais adorateurs. Adorer Dieu, comment? En esprit et en vérité. C'est pour ça adorer mon Dieu. En esprit et en vérité. C'est pas vous qu'il faut adorer mon Dieu. C'est pas ma tante qu'il faut adorer mon Dieu. C'est pas ma patte qu'il faut adorer mon Dieu. C'est pas la jeune qu'il faut adorer mon Dieu. C'est pas belle rate comme un fou qu'il faut adorer mon Dieu. Il y a une seule façon d'adorer mon Dieu. Il y a une seule façon pour qu'à prier pas comme ça. En esprit. En esprit. Ça fait ça. C'est parce que Christ dit, Dieu est esprit. Oh, Dieu est esprit. Vous aussi, vous serez, vous soyez esprit. Vous soyez esprit. Ça va regarder là. C'est l'image pasteur d'une seule. Mais pasteur d'une seule, c'est l'esprit. Pour m'adorer Dieu, il faut esprit propre. Pour m'adorer mon Dieu, il faut esprit pas souillé. Pour m'adorer mon Dieu, il faut esprit clair. Lorsque l'esprit boit, me connecter avec mes points. Lorsque l'esprit boit, je ne vais pas pécher, je ne vais pas voler, je ne vais pas faire plusieurs fois, je ne vais pas parler de mal. L'esprit boit, l'esprit clair, tout y a là, n'importe quoi t'es lié, me connecter à mon Dieu. Et puis l'adoration, vous parlez sur le lieu, n'importe quoi t'es lié, vous t'adorez mon Dieu. Parce que vous adorez. En esprit. Moi de maison, papa doit mon Dieu. Moi de machine là, papa doit mon Dieu. Moi dans le corps là, papa doit en autre. Ou parler sur mon GPS. Ou parler sur mon lieu. Parce que vous connaissez la l'est. Tous les frères adorateurs. Ils ont adoré mon Dieu en est. Qu'on y a nous joué de la quête. En partant la mer. C'est de la quête, je ne suis pas connu, je ne suis pas connu, je ne suis pas connu. Moi, je suis online, moi, je suis sur Facebook, moi, je suis sur YouTube, moi, je suis sur Instagram, moi, je suis sur Twitter, moi, je suis sur TikTok. Moi, je suis là, je suis au Canada, je suis aux États-Unis, je suis en Haïti, moi, je suis là, c'est sur la quête. Ce n'est pas vrai adorateur, ce n'est pas vrai adoratrice. Parce que les gens les adorent mon Dieu, les gens ont intérêt mesquin. Adoration par contre était avec l'intérêt mesquin. Vous devez commencer à comprendre. Adoration n'est pas connecté avec l'intérêt mesquin. Ou à faire là, il faut bon Dieu venir. Ou à faire là, on va la voir nos jeunes comme vous, il faut y'a l'eau, je vais en bas. Non, vous pas venez dessus. Adoration, il faut avec le Saint-Esprit. Si vous parlez le Saint-Esprit de l'homme, vous n'êtes pas capable d'adorer mon Dieu. C'est la Bible qui dit ça, ça
ça fait que nous, ça que, on n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. On va le dire au même par lequel vous avez été scellé le jour de la rédemption. C'est pour plusieurs raisons. Si vous attristez, mon Dieu n'est pas capable d'habiter. Si mon Dieu n'est pas habité, vous êtes vulnérable. Et si c'est si mon Dieu va habiter dans la vie, vous n'êtes pas capable de prosterner, vous n'êtes pas capable d'adorer, vous n'êtes pas capable de faire pour mon Dieu. Et si l'esprit de mon Dieu va habiter dans la vie, d'après Romains 14, alléluia, vous n'êtes pas parti à Dieu. Faut l'esprit de Dieu habiter dans vous-même. Mais habiter dans vous-même, gardez les savoirs, passer à Dieu. Alléluia. Lorsque l'esprit de Dieu habite dans vous-même, vous attendez ces prières du jour de la vie. Alléluia. Parce que vous-même, vous faites partie de l'église de Jésus-Christ. Le roi David faisait partie de l'église. Le roi David faisait partie de l'église. Le roi David, soit c'est vrai, mais l'église de Jésus-Christ, ça c'est le père. L'église, ça, l'y construit. L'église, ça, l'y paraît. C'est lorsque Christ le fait sortir de la mort et puis sortir à l'église. Ça. Même Jean que moi, mon Dieu, dans ce testament, la Bible explique qu'il était garçon en couché. Et puis dans la Bible, et puis il faut, nous sommes des souris, on va là, des souris. On va lire, opérer, et puis prendre le saut. Et puis prendre la femme et la femme. Amen. C'est de la même façon. Pour nous, l'église, Jésus-Christ mourit. Et puis prenez Jésus-Christ à pleurer. Et puis Jésus-Christ sortit à l'église. L'église sortit à l'église de Jésus-Christ. Ça fait que l'église, c'est madame Christ lié. Tout va comme ça. L'église, c'est son quoi Christ est lié. Ah, sous pas son quoi Christ. Ou pas capable de vivre sous la zone de Christ, ou pas capable d'adorer sous la zone de Christ, ou pas capable de prosterner sous la zone de Christ, ou pas dire un mot pour lui sous la zone de Christ, ou pas capable de prosterner. Il y a un fils qui marie à vos nègres, il n'y a pas de son corps nègre à toujours qui bataille en canon. Depuis que nègre ça, c'est pas son corps qui est guerrier à toujours des problèmes, ou pas faire manger à leur ami, ou pas prendre soin. Toujours mon négligence, mais son contour, ou après le relevé de la terre, sans prendre soin, son contour, ou pas quitter sous l'autre d'Amiga, sous contre notre femme, ou qui ça c'est Marine guerrier, ça c'est Afrique guerrier, ma prendre soin, ni dans mon temps, ni dans mon fait temps. Je traite madame, moi traiter l'église comme ça. Avec l'église.
faudrait dépasser cette notion à tête de l'église. Pour les plus mal de pasteur, amen. En plus, si tu m'as le pasteur là, alors je voudrais dire, c'est qu'on soit traité l'église. Je voudrais dire Marie, c'est qu'on soit traité Christ. Eh, qu'est-ce qui partait que sous Marie, le mari a sorti. Qu'est-ce qui partait que sous Marie, le mari a sorti. Qui partait que sous Marie, pour le son qu'a tchèque. Tchèque. Parce que ça, c'est Marie. Avec l'église, même si mon quand est pour mal, ça c'est pour oublier, ça c'est on va oublier, ça fait pas oublier. Poste ni pour vous, à 40 ni pour vous, téléphone ni pour vous, l'argent pour vous, ça le possède pour vous, l'amour pour vous, à la matin pour vous, à le soir pour vous, après-midi pour vous. Au siècle des siècles. Qui est-ce qui a
qui veut pas en saillot, les anges, les quatre êtres vivants, les quatre êtres vivants, et les quatre séries, ils ont posté les plans de parole saillot à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au ciel des cieux. L'homme a donné lui fait. Allez, bail comme ça, yo, à Jésus-Christ. L'enlevé, dit parole, ça, yo. Ça montre respect, respecter mon Dieu. Et la Bible, faut ça que, depuis les 10 commandements, donné à Moïse, sur le mont Sinaï, un seul nom doit être adoré. Le souverain suprême de l'univers, dont le nom est l'éternel, et salvé. Dans Exode chapitre 20, verset 2 sur le verset 5, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut, dans le ciel, ou de ce qui est en bas, sur la terre, ou de ceux qui est dans les eaux, au-dessous et de la terre. Tu te prosterneras point devant terre et tu ne les serviras point. À quel début que mon Dieu fut mal, les 10 commandements, le Père d'Israël, pas que le Dieu qui t'a adoré. Il t'a adoré, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Et le Dieu de Jacob. Et bien, nous, ce n'est pas seulement la 10 commandements que mon Dieu te maïmonise. L'idée de Marie a eu la 603 commandements. Quand tu es l'autre, 10 commandements pour augmenter. Pour la Marie, 613 commandements que mon Dieu te maïmonise. Moïse pour le Père d'Israël. Alors, le Père d'Israël, depuis lors, la Bible dit pour ça que mon Dieu, tu n'as pas servi d'autres dieux. Tu n'as pas remetté une image. Devant le propre adoré comme Dieu. Ça fait que mon Dieu parle dans Esaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Honneur, vous nous ébahir à Jésus-Christ. Gloire, vous nous ébahir à Jésus-Christ. Adoration, vous nous ébahir à Jésus-Christ. Et puis c'est par l'homme, c'est par l'homme capable. C'est tout autant que mon Dieu, pour souffrir vivant, vous devez adorer. Alléluia. Matin, midi, soir, adorez mon Dieu. La canne a qui mangé, la canne a pas qui mangé. Adorez mon Dieu. Que l'argent, pas que l'argent. Adorez mon Dieu. Parce qu'on t'est fait au serment. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À quoi pour mourir et vivre? À quoi j'ai? Je suis pour toujours. Et je ne conseille ma mort à ce qu'il y a pour terminer la situation est là. Ou pas que je vais prier mon Dieu, adorer mon Dieu. Alléluia, ma maison, adorer mon Dieu. Ou pas dans ma chair, adorer mon Dieu. Ou à vivre l'église, adorer mon Dieu. Même si mon Dieu, ou soit mon fond, ma tour adorer mon Dieu. Pardon, adorer mon Dieu. Qui s'est aidé à craser. Pardon, adorer mon Dieu. Qui roche ma poulet et ma tour à soi. C'est pas tout mon nom. Qui a adoré mon Dieu, adoration, son bagage spécial, dans l'adoration que Dieu a tombé, dans l'adoration que l'opération a fait, dans l'adoration que le Seigneur a embrassé, dans l'adoration pour Dieu faire apparition, pour le recevoir, adoration, pour le recevoir, louange, pour ne pas adorer, mais tout continue à adorer, même si je vais m'agailler, adorer, même si nous le voulons, vivre l'enfer. Adorer, même si vite la vie on montre, adorer, que quelqu'un peut arriver, son adoration, qu'a sorti avant, que quelqu'un sait, qu'on m'a donné, son adoration, qu'a sorti avant, qu'on a mis là, par l'Italie, et bien même de vous, son adoration. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
dit toi la vie. Et dans ça, pour attaquer Josaphat. Josaphat, notre homme de Dieu, dans sa prière, il convoque le peuple là dans notre de prière. Pour qu'on dise ça pour faire. La Bible dit l'esprit de l'éternel. Saisis-nous, jeune homme, qui est le jacassier au milieu de l'assemblée. Et puis il dit, Josaphat avait ça, l'éternel dit. Bataille ça, pas bataille pas. Bataille ça, c'est bataille pas lié. Combien vous croyez à la bataille ça va dedans? C'est bataille pas contre Dieu. Le jeune homme dit Seigneur. C'est bataille pas oublié. Donc on est à chaque bataille qu'on a donné. Bon Dieu a bon tactique pour sauver la donne. Si bon Dieu pas bon tactique, c'est tactique pas ou fait comme cela. Yo fait comme cela. Yo fait comme cela dans son groupe. Je prends comme cela. Et puis, chacun a dit, mais ça n'est pas dit. Non seulement bataille, pas bataille pas, mais mes côtés pour tomber, mais ça pour faire. Et puis Josaphat, en tant qu'homme de Dieu, très intelligent, et puis monsieur, prend des chambres, alléluia, monsieur, mettez devant, et puis, il y a le campé contre l'éternel, des impôts au campé, et pendant qu'il arrive là, avec lui, et puis, il y a commencé à l'eau, il y a commencé à l'eau, ma douce, il y a continué à l'eau, j'en ai. Même si on a maladie en vivre, quand les hommes vont jouer à Noé, même si on a problème en étouffant, à Noé, on dit à lui juste dans les soupignons, ma paille, mon Dieu, louange. La Bible dit pendant que le peuple a adoré mon Dieu, qui les chante, il a chanté à Noé, toute femme a monté comme en fassion, les trois larmes, la Bible dit l'esprit de l'éternel, mettez une barricade, mettez une séparation. Mathieu, lorsqu'on adore mon Dieu, qu'on séparation, mon Dieu, mettez, qu'on ait des maladies, on va qu'arriver, qu'on ait des ennemis, on va qu'arriver, qu'on ait des le roi, on va qu'arriver, qu'on ait des têtes, on va qu'arriver, qu'on ait des parlements, on va qu'arriver, qu'on ait des chargés, on va qu'arriver, pour que commencer à adorer mon Dieu, la vie de l'esprit de l'éternel, avec la queue en confusion, la queue en confusion, il y en a mangé l'autre, il y en a dévoré l'autre. Mathieu Assoya, continue à l'eau, vous entendez, c'est l'homme à penser, l'homme à attendre, l'éternel à plaguer, il y a un esprit de confusion, notre diable là, il y en a mangé l'autre, l'éternel à plaguer, il y a un esprit de confusion, Mami Tamouna, Capano Mario, il y en a déchiré l'autre, l'éternel à plaguer, il y a un esprit de confusion, Namouna, Capchiré l'eau, Capchamaji, il y en a mangé l'autre. Adoration. Apocalypse chapitre 22, 9. Lorsque Jean a voulu se prosterner devant l'ange qui lui transmettait la révélation de Jésus-Christ, contenue dans le livre de l'Apocalypse, ce dernier lui dit clairement qu'elle doit bien de le faire. Et adore Dieu. Il dit, moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Gardez-vous qui là. Dis, garde-toi bien de le faire. Dis, dégage-toi pour adorer mon Dieu bien. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes et le seul qui garde les paroles de ce livre. Adore Dieu. On ne pense pas avoir, par exemple, adorer mais les anges du ciel. Nous devons adorer le Dieu des dieux, le tout-puissant, l'ancien des jours, l'invisible, l'imperméable, l'intouchable, l'inattaquable, le Seigneur Jésus-Christ. C'est que nous devons adorer.
ou pas de l'adorer statue, ou pas de l'adorer homme. C'est mon Dieu pour adorer. L'homme adore pour Dieu, mais ça ne va manger. C'est pour cela que tout le monde est mis au devant. Là, c'est pour ne pas capter le vent. Ça fait la vie pour elle, tu nous. Dans Philippiens, chapitre 3, l'idée, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Philippiens 2, verset 9, 11, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, alors et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, ma tourne ma adoration, gardez tes paroles, ça y et puis on va diable qui va pas faire lui pas capter, le va adorer mon Dieu, ses paroles considérées, ses paroles nous repérées, elle va répéter, c'est ça que la Bible m'a produit, alléluia, avec le nom de Jésus, tout genou fléchissant dans les cieux et sur la terre, avec les douleurs confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu, car des mensonges, maintenant on va tomber, car des maladies, maintenant on va tomber, car des persécutions, maintenant on va tomber, car des esprits de pauvreté, maintenant on va tomber, parce que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, il est mon Seigneur, il est mon Père, il est mon avocat, il est mon médecin, alléluia, je suis ma soeur, alléluia, dans cette bataille, car le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Rien ne peut m'arrêter, car la victoire est à moi, alléluia. Vous commencez à faire prier ça. Dieu va tomber, bataille tomber, génial tomber, c'est fait à graver et pour appliquer le sang de Jésus sous Marie, sous Petite, sous Madame, dans toute son possédé, avec un talent, vos suédois. Alléluia, l'homme de Dieu. Le prochain pasteur. Pasteur Nico. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia, merci Seigneur. Levez-moi.